Bon, alors ce que je vous propose maintenant, c'est de nous détendre un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes adepte du yoga, mais là, nous, on va partir aux États-Unis. C'est très tendance, hein, c'est tendance zen. C'est Claude Budingiuto qui a enquêté. Je connais pas toutes les positions du yoga, mais je sais qu'on peut pratiquer le yoga avec des chèvres. Voilà, regardez, c'est Claude Budingiuto qui vous raconte. Laughing Frog Yoga, c'est un centre de yoga à Los Angeles sur Santa Monica Boulevard. Ce n'est pas une grenouille qui différencie ce centre de yoga des autres centres, mais l'arrivée de deux quadrupèdes avec barbichettes et sabots. C'est en effet le premier établissement à Los Angeles qui propose des classes de goat yoga, autrement dit le yoga chèvre. Et Kevin en est l'instructeur. I teach the goat yoga classes. Basically, I lead the goat yoga flow. It's kind of a different practice than what your typical yoga practice would be. I just put together a flow that, you know, the goats can do what they're doing and everybody here, you know, all levels can come in and have a good time and experience it. Le cours est en effet structuré pour permettre aux chèvres de grimper sur le dos des élèves le plus souvent possible, générant des rires spontanés qui ne font pas partie des classes de yoga traditionnelles. Big inhale, biggest inhale you've taken all day. And then laugh it all out because this is silly. I think it allows you to take your practice a little less seriously. We're not trying to do anything. We're just flowing through the motions and, you know, that's kind of where it comes from. Le concept est né dans une ferme de l'Oregon où une nommée Lenny Morse aura l'idée d'organiser des cours de yoga dans sa grange au milieu de ses chèvres. Depuis, l'idée a fait boule de neige et Karim, le propriétaire du studio, fut le premier à Los Angeles. One day I got a phone call from a goat wrangler saying, hey, I'm looking to partner with some yoga studios to do goat yoga. Is this something you might be interested in? And I'd heard about it, and we're always kind of looking at ways to grow our studio. So I thought, you know, why not? L'éleveuse de chèvres, c'est Michel Triten, qui entre deux classes va se dégourdir les jambes avec ses chèvres dans le quartier. Pour Michel, les chèvres sont parfaites pour ce genre d'exercice. Cats have sharp claws and sharp teeth. Goats don't have upper teeth. They have only lower teeth. That's why you find them in petting zoos. Their poops are really kind of cute. They're vegetarians, so they're just like little hard pellets, and they're easy to clean up. Chose que Michel fait régulièrement, et les élèves s'y habituent. Des élèves qui adorent ce style de yoga pour maintes raisons. I think it's interesting because it's supposed to be healthy that we smile during the practice, and so it definitely made me laugh. I was surprised how ticklish it was. Like the very first time they jumped on your back, it was just like they're kind of like hooving, pawing on you a little bit. It's hard not to laugh, but it was very fun. Regular yoga can be pretty intense because you're trying to like make your practice a little bit like stretch more and whatnot, but this is more kind of entertaining and it's cute. Le studio Laughing Frog Yoga est content. Le yoga chèvre est très populaire et les cours se remplissent si vite qu'ils sont pleins pour les 6 prochains mois. En somme, des chèvres qui font les choux gras des studios. Ah oui, c'est assez impressionnant. On est tous un peu sidérés sur le plateau. B7 a essayé, pourquoi pas. Merci beaucoup, Claude Budingiuto.